Atelier Géodesign, bonjour. Aujourd'hui, une pose de vinyle adhésif à l'eau savonneuse. Donc j'ai deux panneaux publicitaires, j'en ai déjà fait un. Le fond est noir, mais comme j'ai enlevé de l'adhésif, il reste des marques sur le fond, donc on va le recouvrir en noir. Et comme c'est un grand aplat de vinyle, la meilleure technique, c'est l'eau savonneuse. Donc l'eau savonneuse, comme son nom l'indique, c'est de l'eau avec du savon. Donc, pour vous donner une idée, dans un litre d'eau, vous allez mettre une pression d'eau savonneuse type mire. En général, des savons avec un pH neutre sont préférables. Ensuite, vaporisez donc ce mélange généreusement sur le support, donc le panneau. En général, on mouille les deux, donc le panneau et l'adhésif. Mais là, comme je suis tout seul, je vais devoir manipuler l'adhésif, donc je préfère mouiller plus le panneau. Et ensuite, vous verrez. Voilà. Bon, j'ai prédécoupé mon morceau avec quelques centimètres de marge. Alors, je ne vais pas mouiller les doigts tout de suite en fait, mais il est préférable d'humidifier ses doigts pour manipuler l'adhésif afin d'éviter de laisser des traces dessus. Ça, c'est une petite technique pour que ça tienne un peu sur le fond. Et maintenant, je me mouille les doigts pour toucher la partie adhésive. Ok. Donc, je mets deux petits morceaux de scotch afin de maintenir un peu le vinyle adhésif, parce que quand je vais tirer avec l'eau savonneuse, il risque de glisser et de venir avec. Donc, si j'ai mis assez de savonneuse, je dois pouvoir manipuler ces limites. Mais ça va aller. Ouais, c'est limite.
Ok. Donc là, maintenant, il faut évacuer l'eau du bloc dessous. On remouille le vinyle adhésif de manière à ce que ma raquette glisse bien et puis aussi d'éviter les micro-rayures. Alors sinon, si vous n'avez pas d'outils comme celui-ci, même une raclette à vitre comme celle-ci peut faire l'affaire. Simplement, vous aurez peut-être un peu plus de mal à bien appuyer parce qu'il faut quand même une bonne pression pour bien évacuer l'eau savonneuse. Ensuite, on commence par le milieu. En l'occurrence, on voit qu'il y a très très peu de déformation. C'est un panneau plat. Vous pouvez utiliser cette technique sur des vitres, c'est la même chose. Et ensuite, on maroufle. Fermement. Voilà, moi je le fais dans ce sens là et toujours dans le même sens parce que même si j'unis l'eau pour éviter les micro-rayures, si jamais toutefois il y en avait quand même, elle serait toute identique et ça se verrait moins. Même chose de l'autre côté. À chaque passage, vous chevauchez de quelques centimètres le passage précédent. Donc maintenant, laisser sécher et puis une fois sec, ébavurer les champs. Et voilà, en souhaitant que ce petit tuto entre guillemets vous ait été utile, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!